tous les matins, le 6-9, Christophe, Romain, sur Radio Mont-Blanc. Allez, bon réveil, il est bientôt 7h20, j'ai l'info sexy du matin. L'info sexy, j'aime bien. Oui, direction les États-Unis. Les policiers seront obligés de regarder des films porno pendant leurs heures de service. C'est quoi ce truc-là? Alors là, je m'engage. C'est une obligation. Alors pourquoi? Oui, bonne question, c'est le fameux pourquoi. Pourquoi sont-ils obligés de regarder des films porno? Eh bien, à cause d'une nouvelle loi qui vient d'être promulguée en Californie, celle-ci oblige les acteurs de films X à porter des préservatifs. Et pour s'assurer que cette loi soit bien respectée... Il faut qu'ils visionnent pour aller regarder s'ils ont la tenue adéquate. Tout à fait, monsieur. En effet, le règlement stipule que les producteurs de films pour adultes devront envoyer leurs images non encore montées. Oui, non montées, c'est dur quand même. Pour un film porno. Souvent, c'est très monté. Ah, bah, c'est bien monté, ouais. Et donc, ils envoient leurs images aux policiers de Los Angeles qui auront pour mission de les visionner et de s'assurer que les acteurs portent bien le préservatif. Ils vont rentrer fatigués le soir, les mecs. Mal aux yeux, bah oui. Mais selon le porte-parole de la police, il y a encore un petit problème. Oui, selon lui, il n'y a pas assez de policiers pour contrôler tous les films de ce genre. Ah bon, bah, ils n'ont qu'à nous en envoyer. On fera ça pendant l'émission. On veut bien. On leur dira. Si on peut donner un coup de main, franchement. Si on peut donner un coup de main, oui. Si on peut, tu... Ça parle pour toi. Si on peut être utile à quelque chose. Solidaire. Voilà, solidaire, soyons unis les uns avec les autres. Eh bien, on est là, il n'y a pas de souci. 6h, 9h, Mont-Blanc Morning.